À 8h15 sur RTL Vive Calvi, vous recevez ce matin Frédéric Matouis qui a publié chez Michelon un livre intitulé « Il y avait un monstre en moi ». Bonjour Frédéric Matouis. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et en direct sur RTL. Vous avez été un mari violent pendant 10 ans et je vous ai demandé de réagir ce matin à la mise en place du bracelet électronique autorisé depuis hier dans notre pays, notamment pour éloigner les conjoints violents. Alors Philippe vient de rappeler le titre de votre livre, publié en novembre dernier chez Michelon. Le monstre qui était en vous aurait-il été dompté par un bracelet électronique? Pas forcément dans mon cas, mais suite à après une arrestation, je devais poursuivre mes violences contre mon ex-femme Sabrina, je crois que oui, ça aurait été vraiment utile. Donc ça veut dire que vous êtes favorable à cette mesure? Oui, complètement. Que, ça peut au minimum limiter les choses, c'est ça? Oui, protéger les victimes, entre autres, bien souvent les femmes, et limiter les dégâts, limiter les décès, toutes sortes d'agressions. Alors, cette question est délicate, mais est-ce que vous êtes sûr que vous êtes guéri? Oui, complètement, oui. Bon, votre sourire témoigne d'une certaine confiance en vous, mais... Quand on a bien connu, là, j'ai quand même poursuivi, j'ai fait 2 ans de thérapie, entre autres avec l'équipe du docteur Coutenceau. 2 ans, un suivi tous les 15 jours, c'est vraiment de manière assidue, ça peut paraître court, mais c'est à la fois très long, c'est donner beaucoup de soi-même, beaucoup d'efforts, un gros travail sur toute son histoire, essayer de comprendre le pourquoi du comment de cette violence qui s'est déclarée, entre autres, dans ma liaison avec Sabrina. Et oui, aujourd'hui, j'ai plus envie de retourner en arrière, surtout pas. Alors, je rappelle que Sabrina est votre ex-compagne et la mère de vos enfants. Un mari violent, un homme qui frappe sa femme, est-il dangereux pour les autres femmes? Oui. Je vous le dis autrement. Quand vous frappiez la vôtre, auriez-vous pu vous en prendre à d'autres femmes, je ne sais pas, dans la circulation, non, à la caisse du supermarché? Non, voilà. Ce n'était pas une violence comme ça qui se déclarait gratuitement. C'était, j'étais dans cette relation avec Sabrina, on avait notre mode de fonctionnement, on était dans cette spirale infernale. Et c'était propre à notre couple. À côté de ça, je travaille, j'ai des collègues femmes ou des amis. J'avais pas du tout ces pulsions à leur égard. Alors pour sortir de cette spirale de la violence en dehors de la thérapie, du fait que vous venez de nous confirmer que vous étiez favorable au port du bracelet électronique, oui, complètement, qui créerait en fait un cordon sanitaire, mais est-ce qu'il fallait aussi vous séparer de votre compagne? Oui, c'est la seule solution. Finalement, c'était l'amputation. C'est ce que je décris c'est le mot que je cite dans le livre, c'est l'amputation. Il y a trop eu d'excuses, il y a trop eu de demandes de pardon et ça recommençait comme ça pendant 10 ans. L'homme qui frappe a-t-il peur de lui? Bien sûr. J'avais peur de moi-même. Et puis un homme qui frappe, un homme violent, c'est un homme qui est en souffrance. Il fait souffrir sa femme, voir ses enfants s'il y en a autour, parce qu'indirectement ils subissent cette violence, ils la vivent aussi, directement ou indirectement, même à travers une porte dans la chambre. Et puis... Ce sentiment de violence aujourd'hui, est-ce que vous le connaissez vraiment? J'allais vous dire, est-ce que cette pulsion, vous la voyez arriver si elle réapparaît? Ah bah je la sens, bien sûr, c'est tout l'objet. Comme une addiction, je veux dire. Comme oui, il y a une addiction, mais c'est tout l'objet de la thérapie, c'est de comprendre justement le mécanisme de sa propre violence. Et on va aller chercher dans sa plus profonde histoire. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert que très très jeune, déjà à l'école maternelle, j'avais des comportements comme, allant dans ce sens-là, vers la violence. J'aimerais savoir comment ont réagi les femmes battues qui ont lu votre livre, puisque par définition, un auteur, voilà, il se balade. Il va dans des librairies, il fait des signatures et on vous a forcément sollicité. Que vous disent les femmes qui vont vers vous aujourd'hui? Dans l'ensemble, j'étais assez surpris. C'est que j'ai eu beaucoup de retours en disant « Monsieur, c'est très courageux. » Oui, entre elles autres, ont raison. Entre autres, et aussi que quelque part, on m'a fait de la part de la bouche de femmes, de leurs mots, elles aimeraient aussi que leur mari ait cette propre démarche. Et des hommes violents, ils sont venus vers vous? Très peu, mais... Très peu ou pas du tout? Ah non, c'est pas du tout, c'est quelques-uns, très peu par rapport à l'ensemble des femmes,
Là aussi, on m'a dit, c'est vraiment très très courageux de ta part. À la première baffe, est-ce qu'une femme doit aller porter plainte? Ah bah, faut pas tergiverser, faut réagir de suite. Et soit on entame une médiation ou un dialogue avec soit un médecin, un membre de sa famille ou voir les autorités policières. En tout cas, il faut réagir de suite. Il faut pas laisser passer ça parce que cette baffe engendrera forcément un coup plus fort, un mot plus dur, et puis voir le pire plus tard. Dans votre livre, vous expliquez que vous étiez parfaitement conscient de ce que vous faisiez, oui, que vous le regrettiez toujours, oui, mais que vous ne pouviez pas vous empêcher de recommencer. Oui, c'est comme une addiction, il y a une cam, c'est un mode de fonctionnement, je l'avais depuis petit, ça s'est traduit aussi, mon beau-père l'a subi, ma mère l'a subi, ne serait-ce que pas par des coups, mais par des mots durs, des comportements extrêmement durs, et puis jusqu'à... Pensez que la violence verbale est un préalable, c'est-à-dire des enfants, oui, qui seraient éduqués sans respect pour les femmes. Ils sont déjà dans un processus qui peut faciliter le passage à l'acte. Ils sont déjà dans ce mécanisme-là. Et je pense que moi, quelque part dans mon histoire, pour faire très bref, c'est que on avait pointé du doigt l'école, les autorités avaient pointé du doigt mon comportement. Il y a eu un début de psychothérapie, mais qui au bout de 3 mois s'est arrêté environ. Et malheureusement, j'aurais préféré que ça dure. Une dernière question, je vous demande une réponse rapide. Vous en avez fait un livre. Est-ce que vous partagez les droits avec votre femme? Parce que finalement, c'est elle la victime. Tout à fait, il y aura un partage des droits, oui. Merci beaucoup Frédéric Matouis. Merci, vous êtes donc très favorable, on l'a compris, au port du bracelet électronique pour les conjoints violents. Et votre livre, Il y avait un monstre en moi, témoignage d'un ex-mari violent, est paru chez Michalon. Bonne journée à vous. Merci également. Bonne journée à tous. Bonne journée.